PA a présenté nous quelques informations sur le déroulement journée vote là. Et comme convenu, il promet nous ce soir, après 6 heures, CEPA a une conférence de presse pour délivrer l'ensemble des détails qui concernent la journée électorale, soit qui vient vote la dérouler, les problèmes qui ont été gagnés, des bails qui ont bougé CEPA dans le processus là. Tous ces problèmes seront posés ce soir. Mais jeudi à 1h30, nous disons que sur l'ensemble du territoire national, le vote la continue. CEPA globalement satisfait de vote là, j'en l'ai déroulé, parce que depuis le matin, personnel électoral en place, bureau yo ouvert, la police sur pied et moun yo sorti à voter. L'autre bail qui a passé, c'est des réalités du vote. Il y a des côtés, il y a des centres de vote qui ont agressé, il y a des côtés, il y a des centres de vote qui ont vandalisé. Nous ne pouvons pas faire bilan, nous ne pouvons pas faire totalité de situation, mais à ce moment-là, nous qui en s'est mais vote la continue. Et il y a un pile côté tout, nous avons masse là à voter. Ça, c'est le PA qui a dit, nous avons dans l'Ouest deux endroits côté vote là, le bureau de vote était ouvert très tard, soit dans UNASMO, Delma 65, l'école là, soit dans World Institute, dans Delma 29. Là, nous disons, électeurs qui n'ont pas voté avant 10h, avant midi, les deux bureaux sont ouverts, ils ont voté jusqu'à 6h du soir à soir. Et si vous avez en ligne toujours, il a continué à quitter mon à voter. Mais sur tout le territoire, j'ai un décret électoral là, dit là, vote là commencé matin à 6h, la fin après-midi à 4h, et mon qui en ligne à 4h, qui a continué à voter. On a une disposition qui te prend pour permettre que la journée électorale ça réussisse sur le plan sécurité. Et c'est la première fois qu'il y a un gros déploiement. Police à travers 9 départements qui sont au pays. Il y a même 2 communes que l'effectif est presque doublé pour que nous soyons capables de permettre que l'élection bien passée dans la province. Nous sommes capables de dire jusqu'à présent, votre parole a fait un bilan de un partiel de évolution de la situation. Et nous connaissons Jean-Président du Conseil électoral la sortie. Il y a des incidents qui naturellement, toujours vivre dans toute élection et qu'on pourcentage soit toujours capable d'enregistrer. Mais généralement, si on prend un bilan, donc son bilan qui jusqu'à présent acceptable. Donc la police a continué et prend toute disposition pour que la journée électorale soit capable de finir bien. Et nous gagnons, moins tendez quelques reproches. Sous passivité policière, je dis que les policiers font un travail extraordinaire. Et le comportement policier, nous demandons de courtoisie et fermeté. L'homme courtoisie pour que vous ne soyez pas obligé d'intervenir dans toute situation avec trop de brutalité pour ne pas déranger votre là. Capable de deux personnes qui sont en discussion, il y a contrôlé, capable de parler, il y a contrôlé. Mais l'arrivée ou même pour intervenir, normalement intervenir. Donc c'est ça qui fait que nous avons pile arrestation qui fait aujourd'hui. Il y a des armes saisies, il y a un pile côté route qui est bloqué, qui est débloqué. À côté de toute disposition qui prend pour le centre de vote, la police, est même dans la rue, à tout, a essayé des solutions à un ensemble de problèmes, soit de protestations, etc., pour maintenir l'ordre et dehors dans la rue. Donc moi-même, je profite de remercier les policiers qui ont gagné jusqu'à présent un bon comportement. Je félicite tout le commandement de la police là. À tout niveau qui va jamais dormir pour côté pour aider moins préparer m'pas oublier gouvernement m'pas oublier premier ministre ministre justice intérieur défense et ministre chargé question électorale ministre information qui toujours ensemble avec nous si n'a regardé sur tout ministre là c'est monde qui pas dormir vraiment nous tout défoncer nous et pour mettre nous et tout nous dans bataille là pour que nous puissions élection ça. Élection, c'est exercice droit peuple là, pouvoir peuple là, pour choisir mon livre
pour représenter Jodia, c'est ça qu'a discuté là, dans le Sénat et dans la Chambre des députés. Quel que soit le monde qui sont citoyens, qui respectent tête li, il doit commencer par respecter volonté peuple. Quel que soit le monde qui veut mettre trouble, eh bien, son monde qui va avoir un respect pour le peuple haïtien. À ce moment-là, consigne l'a maintenu et l'a renforcé. Tolérance zéro. La police a un mandat, mission pour l'arrêter, quel que soit le monde qui a fait des ordres. Pas gagner immunité dans flagrant délit. Quel que soit le monde, même s'il dit son autorité, dit ses candidats, quel que soit le parti. Depuis ces désordres, on a fait ou non contravention avec la loi et la police qui l'a pour l'appliquer. La loi a une mission pour les maîtriser ou mettre en côté en attendant de présenter devant un juge parce que justement, pas de respect pour le peuple haïtien et nous-mêmes, mission par nous, c'est servir cause peuple-là. Premier pas dans cause peuple-là, c'est respecter volonté le jour de ça. Dans pile sacrifice qui fait pour lui, dans pile monde qui campé dans ligne, qui a passé 2-3 heures de temps, gen monde qui fait 10 km à marcher à pied. Faut nous respecter ça. Si on monde c'est démocratouillé, faut qu'on respecte ça. Nous mandé tout monde qui dans bureau vote yo. Continuez faire travail nous avec honnêteté. Moi te dis déjà, la neutralité pas existé. Mais l'honnêteté est recommandée pour toute autorité qui dans bureau vote yo. Faire des comptes avec honnêteté. La police là tout. Travaille avec honnêteté, avec courage. Peuple haïtien, travaille avec honnêteté. Candidat et tout candidat, toute parti politique, c'est devoir nous pour nous contribuer pour tout le bagage passer bien. Respecter règle jouette là, c'est consigne ça, nous te choisir.